Alors, unité tout simplement parce que les Ivoiriens en ont besoin, les Africains en ont besoin. L'union fait la force. Et une fois unis, si nous avons besoin de développer notre continent, nos pays, on a besoin de cette union pour sauvegarder notre dignité. Et aujourd'hui, ça permettrait aussi à l'Afrique d'avoir la tête haute. C'est l'égoïsme qui fait aujourd'hui que l'Afrique est divisée. Alors, quête d'amour, simplement parce que là où il y a l'amour, il y a le bonheur. Je pense que si aujourd'hui nous vivons ces guerres-là, c'est parce que nous manquons d'amour. Mais cet amour-là, c'est à nous de cultiver cet amour. Si on est divisé, si aujourd'hui on ne pense qu'à nous-mêmes, on ne pense pas aux autres, c'est qu'on ne s'aime pas. Je pense que l'Occident fait du business. Et celui qui fait du business veut gagner. Si l'Occident fabrique des armes, c'est pas pour les garder. Ils les vendent, ils savent bien. Ils les vendent aux Africains pour s'entretuer. C'est là qu'il faut dire aussi aux Africains d'être un peu plus forts dans l'âme et de préserver leur dignité. Et ne pas acheter toutes les merdes qu'on leur vend pour s'entretuer. Bien sûr, c'est pour ça justement que je chante l'amour. C'est pour ça que je chante la liberté, c'est pour ça que je chante la démocratie. L'Afrique, c'est mon continent, c'est la terre que j'aime, c'est de là que je viens. Et si je n'ai plus d'espoir, ben, je ne sais pas pourquoi je continue à vivre. Arrivé en Côte d'Ivoire en 2002 n'est pas la première guerre en Côte d'Ivoire. Ah, il y a eu des choses qui sont passées en Côte d'Ivoire. Il faut tenir compte de tout ça, faire un résumé et avancer.
aussi dans le bonheur. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a eu tout ça, mais rien ne nous empêche de vivre aujourd'hui. On continue à vivre. Et si on doit vivre, espérons aujourd'hui vivre dans le bonheur et éviter tout ce passé malheureux. Alors, d'abord, l'état d'esprit, j'ai toujours du mal à l'expliquer parce que moi, quand j'écris, j'écris ce que je vis. J'écris ce que je ressens dans l'instant même. Je ne m'impose pas un thème pour dire, ben, tiens, je vais écrire sur ça. J'ai un studio chez moi, j'ai un studio d'enregistrement qui fournit très bien, qui me permet de travailler proprement. Alors, dès que j'ai mon inspiration, ben, je rentre dans mon petit studio et je mets à plat ce que j'ai envie de développer. Et c'est comme ça. Et ça peut être à 1h du matin, comme ça peut être à midi, au moment du déjeuner, ou ça peut être à 4h du matin, au moment où je suis en train de ronfler à 3F. Et donc, je n'ai pas de moment, mais les choses me touchent tellement que je ne cherche pas à développer une idée tout simplement en m'imposant cette idée-là. J'écris ce que je ressens et j'écris ce que je vis et j'écris ce que l'instant même m'inspire. C'est du reggae inspiré de la musique traditionnelle bété, donc le bébé, le halukou et tout ça. Et parce que ben, je viens de là-bas et moi-même, je suis enraciné de ces cultures-là. C'est ma culture, c'est ma vie, c'est mon âme. Et je m'exprime d'abord, même quand je parle, je pense en bété et ensuite je m'exprime en français. Donc, tout ce que je fais musicalement, culturellement, tout ce que je fais aussi à travers mon art passe par ma culture bété. Donc tout ça, c'est inspiré de notre musique bété qui est bien aimée dans ma chère région gagnoise. J'ai des musiciens qui m'accompagnent, mais la plupart des instruments ont été joués par moi-même. Je m'exprime comme ça parce que quand le temps me donne l'inspiration, je pose. Et je crois que j'ai eu la chance de m'exprimer à travers plusieurs instruments comme la batterie, comme la guitare, comme le piano, comme la percussion. Donc je ne perds pas mon temps, j'enregistre et après on joue. Les arrangements, c'est toujours moi et c'est vrai que j'aurais voulu avoir la collaboration de d'autres arrangeurs ou d'autres artistes, mais bon, comme je l'ai dit, l'instant me donne l'inspiration et quand l'instant me donne, je prends et j'attends pas. Mister Lava Lava Man.